Ici, toi, mon ami, comment vas-tu? Tu n'as rien et tu erres. Libellule, tu tires. Tu as perfi. Ok, bon, on va attendre un peu. J'ai une grenade IEM qui devrait venir. Avec anarchiste, c'est ça? Non. C'est Dan. Dan va venir ici. Ok. Toi. Tu n'as rien vu venir, hein, mon gars. On t'a fait combien de dégâts? Quoi? 13 points de dégâts. Tu peux lancer ta grenade jusqu'à là-bas. Ah merde, là, oh. Est-ce que tu peux lancer quelque chose là-bas? Tu pourrais lancer jusqu'ici. Et là. Ici. Non, tu peux pas. Sortez un petit peu. Et ben, elle est là, viens un peu là. Tu peux pas. Toi, tu as quelle distance avec ton arme? Portée 30, hein? Ok. Alors, 30, on va reculer peut-être un petit peu notre ami. 30. Alors, 30, mettons que ça vient à partir d'ici. 30. Alors, il me faut une copie de ceci qu'on va positionner. La porte, on va mettre là. Tu tires sur qui, toi? Tu tires sur Bam. Tu attaques toujours Bam.
libellule. OK. Et toi, tu tires à quelle distance avec ton machin là? Et toi, tu tires à 27. OK, donc tu ne devrais pas pouvoir me toucher ni me voir actuellement. Alors, toi, t'arrives à attaquer Libellule quand même, ok. Difficile quand on voit pas fort clair, hein. En tout cas, j'en vois un qui m'embête là, c'est celui-là. Jusqu'où il peut tirer? Il peut tirer jusque là-bas. On va attendre que tu foutes le camp un petit peu de là. Bien joué. Toi. Ah, ça n'a pas touché, mais on l'a déjà buté un petit peu, hein, c'est pas mal. Comment vous sentez-vous, mademoiselle? Bien. Vous, monsieur? Bien, ok. On va peut-être vérifier au niveau de les zones d'animaux. Parce que j'ai vu que notre copain était passé pas trop loin de là. Effectivement, on va peut-être interdire un peu tout ce passage. Et la même chose pour les carnivores. C'est un petit peu dangereux que vous veniez par ici, les gars. Ok, ensuite, où est-ce qu'on en est? Bon, tout ce truc ici. Ok, on arrive au bout. On va déplacer ici et déplacer ici. Ensuite, on va demander de nouveau un petit peu de minage. Voilà, au moins comme ça. Et pourquoi pas ici avec. Ensuite, on redemande tout ceci. Je fais un peu noir, mais on a plus trop de sky, tu vas, oui.
Grizzly, tu transportes des gravats. Grizzly, tu vas me prioriser ça d'abord. Voilà, tu me fais ça. Merci. Température 41 degrés, 21h en série du tout. Montre-moi comment tu vis ici, s'il te plaît. C'est embêtant, hein, je suis désolé pour la luminosité, les gars, mais bon, hiver volcanique plus le brouillard, ça ne nous donne plus grand-chose de possible. Occupé de te foutre le feu, mec. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Ça, ça m'ennuie énormément. Ça m'ennuie beaucoup. Faudrait une grenade. Parce que là, ça va foutre le feu partout. Et ça me... Ah non, ça va, ça c'est éteint, j'ai eu peur. Excellent. Allez, on va finir par l'avoir. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur, ici, j'ai au sol, il meurt dans 5 heures. Meurt dans 6 heures. Meurt dans 22 heures. Meurt dans 9 heures. Meurt dans 21 heures. À ce moment-là, Grizzly. Ben, on n'a plus le temps, les gars. Il faut y aller. Il faut y aller. Grizzly, tu vas te prendre un bouclier d'énergie et un casque. Bam, bouclier d'énergie. Un casque. Qui est le master? Je l'ai sur la tête, ok. Et tu te prends bastion d'uranium, Sky, tu te prends un master, et puis tu viens ici. Je t'ai raté, excuse-moi ma belle, mais
Je veux que tu prennes ça. Et que tu... Et pas que ça, il te faut aussi ça. Et puis tu remontes. Voilà. Ensuite, nous avons... Grizzly, bouclier d'énergie, casque de commando. Et puis tu remontes. Et Libellule, tu restes là. Dan, bouclier d'énergie, casque. Et tu remontes. Casque. Et puis... tu prends le master là. Et puis tu remontes. Ensuite... Sky, c'est fait. Dan, tu vas déposer... matériel, tu descends ça, d'abord. Tu viens vite. Donc, prendre... masse... ça et il y a du bon là et ça et puis tu remontes ici anarchiste. Je vais mettre un casque. Et puis tu viens prendre ceci. Allez, on va essayer d'avoir nos gens qui vivent toujours. Toi, t'es mort, je suppose. Toi, t'es mort, toi. Toi, tu fais quoi? Tu attaques les Libellule, hein? Ok, les Libellule, tu reviens vite ici, ma chérie, avant que tu ne te fasses buter. On ne voit, mais alors, rien du tout dans ce truc. Le lancier. Buds. On a découvert une zone. On a découvert une zone. Ah bon? Ah bon? Ok. Allez les gars.
Alors, le troisième, il est où? Tu n'as pas ton bouclier. Ok. T'as pas ton chapeau. Mais que t'es con! Est-ce que tu auras le... On va regarder si on aurait le temps de balancer une grenade. Est-ce que ça les abîme? Non, ça n'a pas l'air de les abîmer. Pourtant, ça me dit que normalement, ça prend 50 de dégâts. Tu vois, normalement, il devrait avoir 50 de dégâts. Pourquoi? Parce que... Il est marqué pour même 50 de dégâts. Ça va, de toute façon, c'est pas plus mal. Ça permet à notre ami de tirer dessus. Où là, ma belle? Hein? T'arrives pas à buter mon... Où est-ce qu'il est, l'autre? Dame, allez, arrive. Dépêche-toi, mon gars. Voilà. Qui est-ce qui a tiré? T'es pas stonné, toi. Moi, il est stunné. Manipulation 50%. Tu peux pas toucher la cible. Toi, tu peux toucher la cible. 2%. On va espérer que tu me touches pas, hein, parce que 2% c'est quand même pas beaucoup. Ouais, toi, j'ai pas spécialement envie de t'avoir, donc c'est pas très grave, mais si je peux récupérer quelque chose. Est-ce que vous avez des... Non, vous n'avez rien. Vérifie, hein, que les gens n'aient pas un truc spécial, non?
T'arrives pas à le toucher, hein, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? T'as tiré ou t'as pas tiré, mec? Sky vient de buter celui-ci. Grizzly vient de buter celui-ci. Bam vient de buter celui-ci. Ok, il y en a un qui est enlevé. Sky vient buter celui-ci. Grizzly. Toi aussi. Ok, il est fini. Sky vient buter ceci. Grizzly, bute-moi celui-ci aussi. Anarchiste, tu as fini de travailler. Tu viens récupérer des gens. Alors, Beau, il est mort dans 3 heures. Donc, tu vas... Il est mort dans 3 heures. Je n'ai pas envie de le voir spécialement. J'aime pas les toxicomanes et le traînard, il avance moins vite, mais c'est pas très très important. Mais bon, qu'est-ce que t'as? T'as de la sociabilité, c'est pas mal. T'es pas mauvais en mêlée, mais ça, ça m'ennuie. Il n'y aura toute directive. Non, toi, je ne te veux pas. Donc, on va, toi, te déshabiller. On va récupérer ce que tu as. Ensuite, volonté de fer, cogneur, beau et belle, c'est magnifique. Il peut... Oh, et 17, toi je te veux. Toi, je te veux. Et je te veux tout de suite. Anarchiste. Secourir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un à... T'as combien de temps? 11 heures, donc ça va. Toi, tu vas secourir... Lâcher. Ensuite. Secourir ou pas? Attends. Comment est-ce que ça marche? Si je les secours, ils vont rester ou ils vont pas rester? C'est pas sûr qu'ils restent. C'est pas sûr du tout qu'ils restent avec nous. On va le... On va le capturer. Voilà. Capturer. Et on va lui mettre des médicaments. T'es comment ta santé? Ton torse. Paillade, fracture, cicatrice qui démange. On verra après. Donc, ça c'est pour celui lâché. Ok. Et on va le mettre en médical. On revient sur anarchiste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lexi Robertson. Lexi Robertson. T'es mort dans 21h. T'es besoin Tobio. Noctambule.
me dérange pas. Douillet, ça, c'est pas terrible. Et nudiste, c'est pas terrible du tout non plus. Tu peux pas. De travaux, non, tu peux pas, là, tu peux pas. Tu as neuf de mêlée, mais tu es nudiste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Et tu es douillet, donc en tant que mêlée, c'est peut-être pas l'idéal. Je te déshabille. Toi, donc t'ambules le misandre. Minage, tu peux pas faire. Travaux agricoles, tu peux pas faire. Lutte anti-incendie, tu ne peux pas faire. Par contre, tu as du tir. Si elle travaille entre 11 et 18, c'est pas grave. C'est dommage qu'elle est misandre. Mais elle a un bon artisanat. Elle aime bien la sociabilité, donc elle grimpera vite. Ça, c'est pas bon. Et elle a du tir. Donc on peut la sauver aussi. Toi. J'ai demandé de te tuer, enfin pas de te tuer, mais de... En train de vomir. Ok. Ensuite, toi, perspicace, volonté de faire joyeux, excellent. Pas de travaux ménagers, oh, c'est pas grave, tant pis. Pas terrible ici, mais ça suffira. Artisanat 10, sociabilité 8. T'as tout ce qu'il faut. Bon. Enfin, t'as presque tout ce qu'il faut, quoi. 45 ans. On te sauve également. Bon. On va vous mettre où, mes petits enfants? Où est-ce qu'on va vous mettre? On va vous positionner ici. Il me faut mes deux lits. Il me faut deux lits. On va vous mettre ici à deux. Et deux. Vous serez à deux en attendant qu'il y ait quelqu'un d'autre. Là, allô, tu vas t'en occuper. T'occupe de celui-ci. Parfait. Ensuite, anarchiste, c'était fait. Toi, ma chérie, ok. Voilà. Maintenant, ma chérie, tu peux rester ici, mais tu vas me... Non, tu vas me stunner... Tu viens ici. Ok, et tu vas... Tenez le centipède. Merci. Alors, vous voyez tout en mort. Bah oui, il y a celui-ci qui est mort, mais c'est tout. Hein. Autorisé, il n'y a pas un truc autorisé. Ok.
Alors, Libellule vient De toute façon, il faut que tu avances. Donc tu viens jusqu'ici. Puisque t'aimes bien être tout nu, devine ce qu'on va te dire. Puisque t'aimes bien être tout nu, on va te mettre tout nu, hein. Déjà, ça c'est une chose de fait. Ensuite, toi, j'ai besoin de toi. Et toi aussi. Mes deux lits sont-ils OK? Déjà. Allez, petit gars, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. À la limite, je pourrais. Ouais, on va laisser encore. Ok, done. Tu vas. T'as pas le droit d'aller là. Donc, on va autoriser ta zone intramuros. Je crois que tu es dans colon. Dans tout. Je vais te mettre dans tout. Dan, tu passes dans tout. Sky aussi. Et Grizzly aussi. Ok, donc ça veut dire que Sky, que fais-tu? Tu déshabilles Beau et puis après tu pourras pas. On verra bien. Dan, tu attaques le centipède, ça n'en vaut plus trop la peine. Comme je disais, toi, je ne veux pas de toi. Donc, Dan. Tu me le déshabilles, réservé par Grizzly. Je voudrais que tu ailles transporter. Voilà. Ok. Libellule,
je te sors de là. Ensuite, est-ce que les lits sont prêts? Pas encore. Faut patienter un petit peu. Bon, Libellule, tu vas me mettre Robertson dans le... Pour le moment, dans caisson. Ok. Grizzly. Ok. Toi. Toi. Tu vas me le mettre dans le caisson. Est-ce que mes lits sont là prêts? Non, pas encore. Toi, tu fais quoi? En voilà un. Sky. Ça, c'est fait. Alors ici, on va fermer la porte. Toi, tu passes aussi en médical. Bien. Donc j'ai deux lits médicaux là. Libellule vient me capturer Riemann. Parfait. Bam. Donc Riemann et l'autre il est fait. On va montre-moi que je vois clair. Merci. Ok, je vois clair. Ça, c'est quoi? 36 quoi? C'est du plastacine, d'accord. Bam vient me récupérer l'artefact. Nice. Et on a quatre beaux trucs avancés, c'est sympathique hein, ça. Se détériore car en extérieur, d'accord. Donc tout ça est en extérieur pour l'instant. Ok, c'est pas grave. Et là au sol, c'est quoi ce truc? Un artefact d'impulsion calmante, c'est sympa aussi ça. Ah
Alors, on va avoir besoin de... On va faire une porte ici. Une porte en bois, ça serait... une porte en... Pour le moment, une porte en bois, ça sera parfait. Et je voudrais que ce soit... Allô, t'es capable de me faire ça? Ouais, t'es capable de me faire ça. Ok, bon, ça s'est pas mal passé du tout. Ensuite, il va falloir enlever les casques et tout ça, hein. Faut récupérer ce truc aussi, hein. Absolument. Allô. Fais-moi ça. Ok. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça de la porte déjà. Merci. Et puis tu vas transporter une future pompe. Pas rester là, bien entendu.